I know you care, don't you see, baby? You make me feel so good inside. I wanna celebrate every day that our love lasts. You help me forget about my past. You might think I'm going insane. Hey, baby, just break out the champagne. I wanna celebrate. Yes. Bonjour à tous et à... Hop là, on baisse le disco. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, ouais, je pars encore sur du cross magouille. Comme je l'ai dit, je... Merde, attendez. Merde, vous... Attendez, je fais un test. Ah, j'ai inversé les scènes. Ça, c'est la scène de fin. Voilà. C'est mieux. Donc on continue avec mon petit Xelol. Je veux monter en fait au fur et à mesure. J'essaierai demain de créer des jeux pour la FDJ de dimanche. Demain, j'essaierai de voir pour essayer de créer des jeux en stream avec pour pouvoir faire la FDJ. Parce qu'il faut 3 decks et j'en ai que 2, on va dire un viable et un pas très viable. T'as toujours pas évolué toi? Ok, ça avait pioché des cartes. Pourquoi je fais ça? C'est pour le forcer en fait à pouvoir à faire potentiellement quelque chose en fait pour tuer Alibert. Ok. Bon, ça lâche aussi des lapins. Ok, ça inflige 3 points de dégâts, c'est celle-là? Ouais. Je suis à 10 cartes, c'est relou. On va faire ça. Quatre, six, huit, dix. Bon, je vais lâcher ça là-dessus.
Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas énormément de cartes qui ont 2 points d'attaque, donc c'est relou quoi. Enfin, qui coûtent que 2. Il faut gérer un peu les cartes comme elles arrivent. 4, 6, 8, 10. Bon, tour d'après, je devrais pouvoir faire des choses en théorie. Ça c'est plus chiant déjà. Bon après ça c'est pas trop grave. Coucou Zeldi. Bah, je vais pas avoir trop de monde, je pense, ce soir, parce que ce soir il y a le. Bah, ça va et toi? Ce soir il y a des annonces de cartes encore sur la prochaine extension, donc je vais sûrement avoir pas beaucoup de monde aujourd'hui. Oh, c'est relou ça. Encore plus relou, ça va les casse-couilles là. Quatre, six, huit, neuf. Oh putain, t'es casse-couille, mec, quoi. Bon, ça va que c'est pas trop dangereux ce qu'il me fait depuis tout à l'heure, mais bon. D'ailleurs, Zeldi, est-ce que tu connaîtrais une graphiste ou un graphiste, une ou un graphiste pas trop, enfin, qui ferait ça un peu, enfin, qui ferait ça gratuitement, en fait. Oui, je demande. 2, 4, 6, 8, 9. Parce que j'ai pas forcément énormément d'argent à mettre, pour refaire un peu ma chaîne, en fait. Pas faux. Faudrait que je demande à Tarzan. Ouais. Ok, il lâche un peu tout ce qu'il a là. Bienvenue à tous, hein. N'hésitez pas à dire bonjour sur le chat. C'est important pour moi.
Donc, sachant, alors pour vous dire, alors pour vous dire un peu comment les choses se passent, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Je fais un petit peu le briefing en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Voilà, je remets les choses. Je reviens un peu dans le game. Voilà, je reviens dans le game, tout simplement. Donc déjà, je te renvoie ça dans la main. Ensuite, on va faire Kérubin. Allez voir ce qu'il y a là-bas. Ok, c'est un fake. Bon à savoir, ça. On va laisser le trade se faire. J'ai rien d'autre à jouer. Ok, j'ai trouvé les deux fakes. Super. Super, les deux fakes. Ouais, youpi. Ok, le Jojo, le Riri, le Joris. La carte bien casse-couille sa mère, comme diraient les Marseillais. Bah en fait, un truc à savoir, alors je dis tout de suite, hein, un truc à savoir, je ne joue pas Xelor. Je ne joue pas Xelor parce que Xelor c'est fort, je joue Xelor pour une seule et unique raison, c'est que je jouais Xelor au tout début du jeu. Et en fait, j'ai fait deux fois top 50, c'est-à-dire saison 0, saison 1. J'ai fait deux fois top 50 en jouant Xelor. Donc, je me suis dit, quitte à reprendre, autant reprendre avec une classe que je connais. Voilà, c'est ça l'idée, c'est autant reprendre avec une classe que je connais en fait. Après, voilà, je ferai sûrement des changements sur mes decks, tout ça, mais pour l'instant, j'ai préféré reprendre avec des classes que je connaissais. Voilà l'idée. J'ai pas pris Xelor parce que c'était pété, j'ai surtout pris Xelor parce que c'était c'est la classe que je maîtrisais le mieux à l'époque. Pourquoi t'as un chacha toi? D'accord. Bon, on va se renvoyer la bouffe-balle indéfiniment en fait. Le 2 d'armure est chiant par contre parce que ça me nique ma strat. Ça me bézouille un peu ma strat. 2, 4, 6, 8, 9, ok. Alors, comment ça va être chiant le gonze quoi. J'avais pas calculé qu'il devait lui en rester quelque part en fait. Ah oui d'accord, le bon vol de Dofus, ça c'est beau, ça c'est très beau comme action. Je m'y attendais vraiment pas sur ce coup là. C'est vraiment le truc, je m'y attendais pas. J'ai encore vraiment du niveau à reprendre moi, c'est un coup s'il a les deux fléaux je suis mort. Par contre, il y a moyen que je chourave la game le tour d'après s'il me tue pas. Il a pas les deux fléaux. J'ai pas compté. Il me semble pas qu'il les ait. Il me semble avoir résisté et ne pas lui avoir assez... Un. Là, il avait les deux. Pourtant, il me semblait lui avoir enlevé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bien joué.
Ah, c'était bien joué. J'aurais peut-être dû faire autrement, mais c'était bien joué. C'était très bien joué le coup de la glaive que j'ai pas vu arriver. J'aurais peut-être dû tuer la glaive. Ou taper la glaive, j'ai pas. Xelor, alors Xelor, on a beaucoup de. Il me semble pas qu'il y ait beaucoup de cartes à 2 PV, donc on va enlever l'aiguille pour l'instant. J'ai pas forcément besoin d'autre chose. Bon, d'accord. Alors au niveau du ratio, je m'en sors pas trop mal. Je suis à 40, alors attends, 50 c'est 100%. Alors je me suis en plus trompé, c'était pas voulu ça, mais. Alors attends, 50 c'est 100%, sachant que. Ouais, je suis à 90% de ratio. J'ai tout mon late. Eh bien, je vais pouvoir jouer à partir du tour 5. Hein. Donc on fait la même chose, il va révéler sûrement un Dofus. Ah d'accord, il révèle carrément directement un vrai Dof, lui. Il est comme ça, le monsieur. D'accord, Mani pour aller chercher un potentiel T4. Je pense que c'est pour essayer de faire un Necro-Gore là, très rapidement. Alors, je préfère faire ça, pourquoi ? Parce que... Je préfère faire ça, pourquoi ? Parce que je me dis que ça le forcera à potentiellement lâcher quelque chose. Et que niveau board, j'ai l'avantage. D'accord. Voilà, deuxième, quoi. Donc c'est ça, c'est un Necronomigor. Feels good, man. Alors, sachant que je... Comme je l'ai dit, j'ai pas forcément repris depuis très longtemps... c'est une semaine et demie, un peu 2 semaines je pense à partir d'aujourd'hui. Alors, j'aime quand mes cartes m'étralent. Bon, sachant que je tue là, classe à trade. Je vais garder les PA et on verra ce que je ferai après. Ok, donc lui il a déjà eu son... C'est un peu relou qu'il ait déjà son... Comment ça s'appelle ? Son lard de ville. Comme ça, si possible, si je peux annuler... une TP qui a disparu. No. I play midrange Xelor with my old card because I play before 2 weeks. I want to see where I will go before the end of the season.
ennemi un ennemi qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Ah, une marmin. Hein. Culé, va. Oh, belle carte qui part. Bah en fait, ce serait pour refaire un peu un visuel type vidéo, enfin... Merci Alpha. Serait pour refaire du visuel en mode. Faites refaire tout le visuel de la chaîne quoi. Ça parle Ching Ching. Ouais, t'as tout compris. Ça va et toi, Matruel? Bah, image, logo et si possible la vidéo de fin, enfin la vidéo de d'entrée, d'intro et de fin. En fait, tout ce qui est bannière, tu vois, alors je sais pas si je peux l'avoir ma bannière. La bannière, le. Enfin un peu tout quoi. C'est... Après c'est vrai que c'est gros. Je sais même plus pourquoi je peux pas l'avoir la bannière en fait. Pour refaire un peu l'identité de la chaîne, les images de dons, tout ça. Le... Enfin y a du taf, après si. C'est pas grave, je trouverai hein, Zeldi, hein. Pour l'instant c'est pas grave, hein. Ça peut attendre. Ah bon? Ah j'avais pas vu, j'étais en train de faire autre chose, j'ai pas vu. De Motal? Ah de Motal. J'ai cru que t'avais dit de Muay Thai. D'accord. Alors j'aimerais bien avoir mes glaives en fait là. Là tout de suite mes glaives seraient utiles. Donc il a pas son bonus, ça fait deux fois qu'il misplaît. Ah enfin. Alors. Ah le problème c'est que je perds trop de PA derrière en fait. D'accord. Mais glaire? Quel glaire? Bah j'irai le voir, j'irai le passer lui dire, comme ça sera bien. C'est... Enfin après s'il a le temps, hein, je suis pas du genre à... pas m'amuser à le lui faire yeah, je veux.
N'hésitez pas à follow la chaîne hein, si ça vous plaît. Hein. Demain, je ferai des decks. Demain, sûrement. J'aimerais bien faire la FDJ en fait. Donc, je ferai sûrement des decks demain. Allez, deuxième petite glaive histoire de. Yes, Azumandrill. Alpha, ta gueule. Mais non, mais nique pas ma chaîne, Alpha, sérieux. Nique la chaîne de Bob, pas la mienne. Allez, nous de glaive ou un truc pour piocher, s'il vous plaît. Ah c'est ça hein. Mec, je mets de la musique des années 80 hein. Bon. Ah mais tu comptes placer combien de... Il me reste deux tours. Il y a moyen encore que je prenne la game. Hein. Il y a moyen encore que je lui chourave sa game. Hein. Que je jouais sur pas grand chose, bah c'est perdu. Non, non, it's not too strong. It's. En fait. Putain. It's not too strong. It's just. Really too. It was really hard to go on because I wait one card and this one card I win with game. Non, et oh Alpha, je sais quand même parler anglais, hein. Je suis pas neuneux, hein. Putain, je suis à deux défaites là, 0-2 là, c'est pas normal. Je perds mon ratio. Un peu, ça va, je suis pas mauvais non plus. D'ailleurs, abonne-toi, Alpha. T'as de l'argent, abonne-toi. Je fais comme Bob.
Bah après, quand la Xélance elle a des mains de merde. Non mais j'essaye de faire comme Bob, ça a l'air de marcher pour attirer les gens quand on fait un contenu des. Enfin, quand certaines personnes font du contenu dégueulasse donc. Je suis pas sûr que je peux plus blairer le contenu de Bob depuis un moment. Ah bon? Bah en fait le contenu est très très chiant en ce moment, le contenu de Bob, je trouve. C'est toujours la même chose, c'est pas intéressant. Il régresse. Après bah, peut-être qu'il en a marre, hein. Après ça se peut. Hein. Oh mais non! Je passe 30 secondes, hein. Alpha, hein. Je te jure, je passe 30 secondes. Hein. Omega Bob Show, j'y passe 30 secondes aussi en passant. C'est vraiment, j'y passe pas longtemps sur les émissions. Hein. C'est, je regarde et puis bof. Mais. Je suis quasiment plus, hein. Je suis encore follow, mais pour me dire que peut-être un jour, enfin, c'est pour pas rater peut-être un truc qui va me plaire. Mais je passe quasiment plus. Hein. D'accord. Bah, ça va que j'ai encore d'autres grosses cartes, hein. Ok. Line de plus, ça fait jamais de mal. Bisous Alpha.
Sans autre membre de la confrérie du Tofu. D'accord. Ah. Ok, je pense qu'il veut prendre le 2. Ah. C'est con alors. On aurait dû jouer dans le sens inverse, je pense. Il y avait peut-être mieux à faire. Il y a peut-être beaucoup mieux à faire même, je pense. J'ai mal timé mon truc, mais bon, il y a peut-être mieux à faire. Le problème c'est que j'ai pas de carte à 3 là pour rentabiliser mon truc. Donc, je préfère laisser celle-là crever, hein, c'est pas grave. Quoi, j'ai pas vu. Ok, un petit détournement. Alors, moi, je peux lui faire un Chris Lacras et tuer son ruel où il a fait tuer son ruel où il a posé dedans deux cartes. D'accord. Un peu inutile, mais bon, c'est pas grave. Tac. Toujours mes 5 PA, donc pas besoin de faire plus. Je peux faire ça. 2, 4, 6, 7. Derrière, faire ça. Dire que là c'est un faux. Prendre 2 cartes. On va casser mon ratio. Faut que je remonte à 90% de victoire. Ah oui, monsieur. Monsieur Youaz. Monsieur Youaz. D'accord, donc là je vais encore taper une fois. Okay. Alors, déjà, on va déjà faire ça, vérifier un truc. Faut que j'arrive à faire passer Alibert niveau 4 pour débloquer la version. Enfin, le personnage Alibert, faut que je le fasse passer niveau 4 pour débloquer la version 2, qui est beaucoup plus intéressante que la V1 en Xelor. Hein. C'est un T4 qui va donner derrière une poêle pour sniper un petit ennemi, tout ça. Qui était en fait l'ancienne V1. Hein. C'était pour ça, avant tout le monde jouait la V1, personne jouait la V2.
Un Xelxel, Niemnier. Ok. Ah, ça c'est chiant, ça c'est gros, c'est chiant. Oh Harijar, comment tu vas? Ça va, tranquillement. Bah j'ai mon taf maintenant, j'ai mon CDI, je stream, bah j'ai jamais arrêté en fait. C'est quoi à dire, mais j'ai jamais arrêté. Tour d'après, je vais faire un morgue là-dessus. Dev Web, ASP.NET. Avec un peu d'Angular dedans, pas mal de petites choses. Bah, c'est un peu. Ça dépend des jours. Toi tu l'as ta poussière, moi je les ai pas mes poussières temporelles, connard. Bah c'était juste pour faire ça. Ouais c'est cool, c'est tranquille. Après c'est un peu chiant à comprendre le fonctionnement mais ça va.
qui est un fake. Bah d'ailleurs j'ai ma Marlin qui a Evolve, donc ça c'est bien. Angular. Comprendre toutes les subtilités et tout ça, c'est un peu relou, mais ça passe. Oh, t'es sérieux là, tu me donnes tout ça là? Sérieux, j'ai rien moi. Pas faux. On va essayer de partir sur la strat Necronomigor, tiens. Pas de raison que je le fasse pas aussi, hein. Mais t'es con ou quoi? Mais il est con hein celui-là, hein, c'est pas possible hein. Faudrait que j'essaye, après c'est ma boîte qui choisit, hein, c'est pas moi. Hein. Allez, encore 3 tours. Ah, t'es sérieux? Tu joues garde-temps, toi? Lol. Mec, je joue garde-temps. D'accord. Truc qu'on voit plus. Bah, ça doit être sûrement pour casser... ça peut être... C'est ça, Timekeeper. Bah, bien joué. Enfin, je me serais pas attendu au Timekeeper, perso. Like a dream.
Non mais là j'ai pas de carte hein, en soi, hein. J'ai rien eu. Hein. Là j'ai clairement rien eu hein, sur le jeu. Hein. C'est... Pas un copec. Hein. Je joue quasiment handless quoi, c'est bonjour, t'as pas de carte. Hein. C'est maintenant que t'arrives. Ah, elle est perdue. Elle est perdue. J'ai pas eu de carte. Bah, allez, j'en fais une dernière. I will play a last. Et I will play a last game and I will cut the stream. Bon, non, hashtag pas de chance, hein, ça arrive. Hein. N'hésitez pas à follow le stream, don't hesitate to follow the stream if you want. if you want to see me more and more. Tomorrow I will stream 3 or 4 hours. I don't know. Donc demain je stream environ 3-4 heures du cross magage et ça va être faire mes jeux pour la FDJ. Parce que j'aimerais bien faire la FDJ après faut que je trouve le temps de la faire en fait. Faut que je trouve le temps de faire mes jeux. Donc n'hésitez pas à venir m'aider. Voilà. N'hésitez pas à venir m'aider si vous voulez qu'on fasse que je fasse un des. Si vous pensez pouvoir m'aider à faire des jeux. Par contre là je suis à vraiment un ratio dégueulasse. Ah, super encore la main. Hein. C'est quoi cette main de merde? Carte dégueulasse qui me colle à la paluche quoi. Attendre, pas de carte hein. Bah non mais dis-le le jeu si tu veux pas que je joue, ça ira plus vite. Ouais, bon, allez. C'est bon, t'as fini de me faire perdre mes games parce que je peux pas jouer ou ça se passe comment? Un peu mieux là déjà. Salut Mino. Ça essaye de revenir à son meilleur niveau, c'est-à-dire que quand j'étais encore top 50, j'essaye de revenir à ce niveau-là en fait. We'll be right back.
Putain, mais ils l'ont. Ouais, bon, ils jouent normal, c'est normal. J'ai pas à rager, c'est normal. Donc on va lâcher celle-là. Il aurait fait la même chose. Là, il y a deux écoles. Soit il lâche une orbe pour me tuer celle-là, soit il passe un monstre. Deux écoles. Je préfère partir sur le monstre. C'est là où je me rends compte que je manque cruellement d'infinite viable en fait. Clairement là où je commence à me rendre compte que je manque de vrai infinite dans le jeu. C'est bête à dire, mais ouais, c'est là où je commence à voir que différence des fois entre on va dire gros joueur et bon joueur. Je joue beaucoup au niveau des infinites parfois et je me rends compte que j'en manque cruellement. Salut Protoss. Clay gagne pas le bonus. Il a fait un nécro, qui va sûrement poser maintenant d'ailleurs. Va falloir encore gérer cette merde. Oui et toi? Il va falloir que j'aille chercher les autres. Quoi? À dimanche. Ça avance de deux cases. Donc on va se retrouver en fait dans la même optique que tout à l'heure. C'est-à-dire avoir besoin d'un potentiel glaive pour aller chercher le monstre adverse. Bah moi ça faisait très longtemps que j'avais pas rejoué non plus, et on m'avait demandé en fait, c'est des viewers qui m'avaient demandé. J'ai repris goût à jouer. J'ai repris goût, là ça... En fait ce que j'aimerais voir c'est où est-ce que je peux arriver.
jusqu'où je peux arriver avant la fin de la saison, en fait. Tout simplement. Alors déjà je vais faire ça. Parce que je pense que vous l'avez compris, le but de ma manœuvre. Ensuite, là je vais faire ça. Bah, je vise aussi le top 32, perso, je le vise. Apparemment, ce qui est fort en ce moment, c'est Xel. Apparemment, Xel serait complètement pété, ça tombe bien, c'était ma classe préférée à l'époque. Donc ça aide. Ça aide beaucoup, même. Ce qui est encore de pété, apparemment, c'est... Donc t'es toujours supérieur à moi. Ah bon? Ah oui, j'en ai un de plus. Là, je vais essayer d'aller chercher Kérubim. Alors, c'était pas... Enfin, Zeldi, j'ai fait déjà beaucoup mieux niveau stream. J'ai fait beaucoup plus à une époque. Allez. Là, j'ai deux options. J'ai pas mal d'options pour win. J'ai beaucoup d'options pour win. Faudrait qu'elle tombe. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Oh mais si le jeu après veut pas, moi je peux rien y faire quoi. Non, c'est pas mort encore. J'ai passé une glaie. J'ai passé une glaie. J'ai passé vraiment une glaire. Il m'en reste encore une dans le jeu. Deux. Deux dans le jeu qui peuvent tomber et me faire gagner la game. Deux dans le jeu qui peuvent me faire gagner cette putain de game. On est d'accord. Une chance sur 12. Est-ce qu'on m'appelle Monsieur Chatman ou pas? Chatman, badabadabadaba, Chatman, badabadabadaba, Chatman, badabadabadaba.
Bon, c'est sur cette victoire que je vais vous laisser. Demain, je n'hésitez pas à follow. Demain, je reviens pour 3-4 heures de stream. Là, j'ai la famille qui va arriver. Ça va être la galère de streamer. J'ai ma famille qui va arriver. Ça va être la galère. Et demain, je suis là pour 3-4 heures. Du cross maga. Beaucoup. C'est-à-dire que demain, j'aimerais... N'hésitez pas à venir en masse pour venir m'aider à faire mes jeux pour la FDJ. Sachant que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas aussi... Demain, je ferai aussi du ladder. J'aimerais bien quand même arriver à passer vétéran, au moins. Que je montre que j'ai pas perdu la main, mine de rien. N'hésitez pas à follow, c'est important, le follow, ça permet de faire vivre la chaîne et de faire vivre les streamers, enfin, de donner la visibilité aux streamers si vous, ceux qui, voilà, qui ne connaissent pas trop. À rejoindre les réseaux sociaux, le Discord, si vous voulez vous abonner ou faire un don, ce sera le bienvenu, mais n'hésitez, enfin, ne vous mettez pas en danger, en fait, c'est ça le plus important. Tac, 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 j'ai dit, nan, maintenant je le refais en anglais. Ah non, il y a la YouTube aussi. Il y a YouTube. Si vous venez de YouTube, si vous voyez cette rediff sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à venir sur le live, c'est le plus important. Si vous voulez échanger. En anglais, don't hesitate to follow the stream, social network, and to go on the Discord. If you want to sub or give money, don't make you poor. And if you see this video on YouTube, don't hesitate to sub and go on the stream. It's very important for me. Des bisous, à demain tout le monde. J'espère vous voir nombreux. Salut.